applaudissements, nous allons recevoir ici celui-là même qui défait toute la chronique en ce moment, c'est mon collègue, nous deux on est amateurs. Voici venu pour vous en cas de cas. Applaudissements nourris. Ça va un peu? Ça va bien? Eh bien, applaudissez pour vous-même. Vraiment, c'est pas facile. Les gens qui quittent chez eux et payent le transport pour venir voir les gens matin, c'est pas facile. Applaudissez pour vous-même. C'est bien. Oui, quand même. Chacun sait où il travaille. Nous, on travaille où les gens, les îles. On est même chez eux comme gynécologue. Oh, mais c'est pas la vérité. Gynécologue, il travaille où ça? C'est pas où on prend plaisir. Moi, je suis au travail. Vous êtes en train de prendre plaisir. On est même chaud. Ah. Qui est en train de me faire les embuscades sonores là? Ok. Moi, en cas de cas, si je déteste quelque chose dans ma vie, c'est le mensonge. J'ai horreur d'une seule chose, c'est le mensonge. C'est vrai, les autres, ils viennent, ils mentent. Mais moi, si je vous dis quelque chose, c'est qu'il y a vite de mettre des yeux. C'est vrai, aujourd'hui, on est assis au bridge time, c'est bien. Mais avant qu'on arrive ici, on est quitté à quelque part. Le 11 avril 2011. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut oublier ça. Moi, j'étais dans ma maison. Ma voisine, elle est en train d'allaiter son enfant devant sa porte. Nous deux, on a attendu en même temps. Touille! Moi, il faut me voir devant. Ma voisine, son mari sort de la maison. Laisse-moi là-bas partir. Il a entendu, puis il dit à sa femme, laisse-moi là-bas partir. La femme aussi jette son enfant. Il faut les voir les deux ensemble. Quand ils sont arrivés au carrefour, la dame dit au monsieur, chérie, est-ce que tu sais qu'on a oublié l'enfant à la maison là-bas? Il dit, tu es malade. Ce qui fait enfant là-bas et ça ici. Si on n'a pas pu prendre l'autre, si nous deux on est vivants, on peut produire encore. Là, tu es là, tu parles d'enfant. Toi-même, tu n'es pas mort, tu ne dis pas Dieu merci.